Salut tout le monde, c'est Brasseur, Bienvenue dans ce nouveau vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des 10 principales étapes pour bien réussir sa bière maison. Euh, tout grain, hein? on va l'ajouter, le tout grain, c'est vraiment important pour moi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Fils de brasseur le chanceux propriétaire de la boutique du Brasseur Adelson. Vous avez la possibilité aussi d'acheter en ligne au www.lebrasseur.ca. Je tiens à remercier aujourd'hui toutes mes Patreons qui ont décidé de s'abonner. Merci, merci, merci mille fois. Un grand merci aux grands supporters aussi. Les amis, merci Merci, merci beaucoup. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler des 10 principales étapes pour bien faire sa bière. Et oui, euh, malgré toutes les vidéos que j'ai faites, il me semble que j'ai jamais fait une vidéo comme ça. Tu sais, Quelqu'un qui commence là, c'est quoi les étapes pour faire sa bière? Bon, on va le voir tout de suite sans plus tarder. Alors, numéro 1. Le numéro 1 va être le choix des ingrédients et de la matière première qu'on va faire à notre bière. Mais on va rajouter un petit point de plus dans le numéro 1 euh, qui va être le choix de sa recette. Alors là, c'est un peu personnel à chaque personne. Chaque personne aime des styles différents, chaque personne aime de la bière différente. Par contre, votre équipement va venir en compte avec votre style de bière que vous voulez faire. Les fameuses NEIPI que tout le monde adore, que tout le monde aime, que tout le monde veut boire. <laughs> euh, ouais, ces fameuses NEIPI-là, euh, je vous dirais tout simplement, je me fais poser la question est-ce que c'est plus difficile de brasser une NEIPI Non, c'est pas plus difficile. Par contre, il faut être un petit peu plus équipé pour brasser une NEIPI. La Pire, 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 pire. Chose qu'on peut lui faire une fois conditionné, on va y revenir. C'est vraiment d'y mettre de l'oxygène. Alors après la fermentation, c'est important d'avoir le moins possible jusqu'à aucun contact avec l'oxygène pour la conserver. Sinon, allez voir mon vidéo sur le sur l'oxydation, vous allez comprendre. Euh, sinon, tout les restes, c'est quand même relativement facile. Euh, vous n'êtes pas non plus obligé de faire une grosse NAIP avec très, très, très beaucoup de houblon à la finale. Euh, c'est possible de faire une plus smooth puis euh, éviter les risques d'oxydation. Choix de la recette va égaler aussi choix du style de bière, elle au lager. Encore une fois, une lager, c'est peut-être un petit peu plus compliqué à brasser. Si vous n'avez pas la possibilité de fermenter aux alentours de 10 à 12 degrés euh, Celsius, peut-être que si vous n'êtes pas équipé à faire ça, allez plus dans le type de L. Et maintenant, on a des fausses lagers. Fait que si, mettons, tu veux vraiment faire une lager, mais tu n'es pas équipé, ben, pense à choisir euh, la Lutra comme lever. Hein, ça pourrait être une belle option pour toi. Une lever de Kolsch ou euh, une lever de Cremel qui a été conçue spécialement pour euh, ces types de bières-là. Alors, euh, ben, c'est à toi de vérifier si ça te tente de faire ce, ce type de bière-là. Le choix des ingrédients. On va choisir les ingrédients de meilleure qualité, évidemment, mais on va y aller avec le choix des ingrédients pour faire notre style de bière qu'on a choisi. Alors, on a plusieurs sortes de, de grains de mal de base qu'on a au brasseur. Ça fait toujours plaisir de vous aider à choisir votre grain de base. Alors, si vous ne savez pas lequel choisir pour la meilleure recette que vous avez, marquez juste grain de base avec la quantité et dites dans les commentaires je te laisse choisir la meilleur grain de base pour ma recette. Voici le style. Je fais une brown ale. Et ça va me faire un grand plaisir de vous aider à choisir votre malte de base. Oui, il y a certains grains plus dispendieux que d'autres. Par contre, pour la différence de prix, puis on brasse vraiment pour faire la meilleure bière au monde, et parce qu'on aime ça, c'est une activité. Alors, je vous conseille fortement de bien choisir votre matière première. La matière la plus importante qu'on a, c'est... Eh oui, c'est l'eau. Si tu veux euh, bien faire ta bière, prends de l'eau propre, sans chlore et sans conditionnement. Je vous conseille fortement d'utiliser de l'eau amaro que nous possédons au laboratoire, au brasseur. Le laboratoire du brasseur, c'est ma compagnie de brassage et mon bar, mais euh, ma microbrasserie en réalité. Mais au, euh, au bar, au brasseur, on a notre, de l'eau amaro. Fait que si vous voulez pas vous casser la tête à faire 25 arrêts, vous avez juste arrêté, euh, tout choisir vos ingrédients chez moi avec euh, votre eau. Et ça va me faire un grand plaisir de vous servir. En passant l'eau au le même prix que l'épicerie, je ne pas plus d'argent sur l'eau ou moins d'argent que les autres. Alors, une fois qu'on a décidé des ingrédients qu'on a choisis, on s'en va à l'étape numéro deux. L'étape numéro deux va être la préparation de notre matériel. Oui, ça va te prendre du matériel pour brasser. Fait qu'on va faire un 1,5 euh, matériel de brassage. Vous, avez, vous allez avoir besoin, si vous avez l'opportunité de louer, euh, au brasseur, on loue les Grandfather. Fait que vous pouvez utiliser un vaisseau tout en un Grandfather. C'est vraiment pas cher. C'est 50$ pour votre brasse. fait environ deux jours de temps. Le temps de brasser, de la nettoyer, de la rapporter. Et ça vous donne l'opportunité de l'essayer, d'avoir un système tout en un euh, qui est vraiment cool. Fait que si jamais ça vous intéresse, si vous avez la possibilité de la louer au brasseur. Sinon, bien, si vous avez un chaudron, le chaudron peut faire la job avec un sac de brassage. Vous allez avoir besoin des fermenteurs. Vous allez avoir besoin de dansements. Vous allez avoir besoin de quelques petits équipements. Par contre, tout est disponible au brasseur. Alors, si tu ne sais pas quel équipement prendre, tu as juste à m'appeler et ça va me faire un grand plaisir de t'aider à choisir ton équipement. Préparation de l'équipement. Et oui, le laver, bien le laver. Et là, on oublie là, toutes les choses un peu bizarres qu'on connaît pas ou qu'on n'est pas habitué de voir. Savoir va vaisselle, on n'utilise pas ça pour faire de la bière. On va utiliser le PBW pour nettoyer. C'est un des meilleurs nettoyants alcalins qui existe pour le brassage de la bière. Je le sais, le détergent chloré existe aussi. Si vous avez des, du matériel en acier inoxydable, je vous le conseille vraiment pas. Euh, pour stériliser, on peut prendre une solution iodin On euh, mena au brasseur. Ou on peut prendre du, du Star Sand aussi qui est disponible. Euh, vous avez juste allé les descriptions qui sont sur les emballages et ça va vous expliquer vraiment bien comment l'utiliser dans certains cas. Euh, si vous n'êtes pas sûr. Vous faites juste prendre une photo puis vous faites euh, Google Translate si vous ne parlez pas en anglais. Et ça va vraiment vous aider. Technologie, on peut l'utiliser, c'est vraiment cool. Pourquoi on veut laver et stériliser, c'est pour éviter tous les contaminants qu'on pourrait avoir dans notre bière. Et euh, on veut être sûr d'avoir du matériel propre pour mettre notre propre. Leveur, fait que quand on va inculquer notre leveur, quand on va mettre notre leveur dans notre mou de bière stérile, on va être sûr et certain que ce soit la seule chose qu'on a. Euh, même chose, si on revient au point 1, si on veut faire une bière sûre, euh, on a différentes méthodes de faire aujourd'hui, fait que vous pouvez m'appeler, ça me faire un grand plaisir de vous aider. L'empattage, point numéro 3! L'empattage, il faut respecter certaines normes pour faire cet empattage-là. C'est pour ça que Souvent, on va préconiser d'avoir un système tout-en-un. Euh, Grandfather, RoboBrew, euh, je sais qu'il euh, y a Blackman qui en font fait un aujourd'hui. Ils ont aussi ss Botec qui en fabrique. Il y a plusieurs choix maintenant qu'on a de disponibles. Nous, au brasseur, présentement, on utilise le Grandfather. Qui sait, peut-être qu'on va avoir une nouvelle sorte d'emploi. Choisir l'équipement euh, approprié pour... Choisir la bonne température. Alors, si la température de brassage va influencer vos sucres que vous allez sortir, si on choisit de brasser une style de bière avec un taux de sucre résiduel plus. Mince, ça veut dire qu'on va brasser entre 149 et 150 degrés Celsius. Et si on veut avoir plus de corps, plus de morphine en bouche, on va brasser entre 155 et 160 degrés Fahrenheit. Fait que décidez quelle température vous voulez faire et la maintenir pendant environ 30 à 60 minutes. Tout va dépendre de votre test diode. Alors, oui, on va faire un test diode. Avant de faire notre rinçage ou notre mash-out si on est équipé d'en en faire un. C'est quoi le mash-out? C'est une fois notre transformation enzymatique terminée, nous allons augmenter la température pour tuer toutes les enzymes qui restent dedans. Si vous avez la possibilité de le faire, tant mieux, faites-le. Si vous n'avez pas de possibilité de faire un mash-out, ben on va pouvoir le faire durant notre eau de rinçage. C'est aussi important durant l'empattage d'éclaircir notre mou en faisant notre recirculation en évitant le plus possible d'incorporer de l'oxygène dans notre mou. Alors, si vous avez une glacière, prenez un pichet, remplissez-le, puis par au-dessus, vous allez asperger votre, euh, votre drèche. Si vous avez euh, un vaisseau tout en un, bien, durant votre marche, ça va tout le long. Et alors, ce pas un problème. Quatrième étape. Quatrième étape, ça va être le rinçage des drèches. C'est quoi le rinçage des drèches? C'est tout simplement qu'on va éliminer le mou de bière qui est dans notre, euh, notre empattage. Ça veut dire qu'on va séparer le solide du liquide. Comment qu'on fait ça, fait ça, si, J'ai aucune idée! C'est pas facile. C'est un vaisseau tout en un, sur les instructions, souvent c'est un panier que tu lèves. <laughs> facile. Si vous avez fait ça dans une glacière, souvent on a une valve, fait on va ouvrir la valve, on va laisser d'écouter dans un autre euh, contenant. So. Et on va asperger par-dessus si vous avez un chaudron. Euh, avec un sac de brassage, vous allez tout simplement lever votre sac de brassage. Et si vous avez un chaudron avec un faux fond comme le chaudière, mais souvent il y a une valve, fait on va ouvrir la valve pour éliminer tout le, le, le mou. Et par la suite, on va faire l'étape numéro 4, qui est le rinçage des draches, qui est, eh oui, prendre de l'eau à 78 degrés Celsius maximum. 180 degrés Fahrenheit sont continues dans notre lancée des Fahrenheit. Et pourquoi on va utiliser de l'eau à 80 ou à 78? Premièrement, on veut pas aller trop chaud pour pas sortir les fameux tanins de, de nos écorces, de, de, de nos écorces qu'on va utiliser pour faire notre bière. Alors, on va utiliser 78 maximum. Est-ce que ça fonctionne à plus basse température Oui. Est-ce que c'est aussi efficace Non. Alors, c'est à toi de décider si tu veux avoir la bonne densité et de suivre la recette à la lettre, ou si tu veux euh, avoir moins de densité, c'est d'utiliser plus de grains pour compenser. Je vous conseille fortement de le faire à 78 degrés Celsius. Une fois notre rinçage des draches effectué, nous passons à l'étape numéro 5. Et oui, notre étape numéro 5 est l'ébullition. Alors, il nous reste juste un mou sucré et on va porter à ébullition. Porter à ébullition, ça prend combien de temps? Ça dépend de ton système. Alors, juste avant de porter à ébullition, ça va faire une belle mousse brune, euh, beige brune. On peut l'écumer, cette mousse-là. Ça va, un, empêcher votre mou, euh, vos houblons, quand vous allez ajouter vos houblons, de déborder. Deuxièmement, c'est des mauvaises protéines. Il n'y a aucun avantage à les garder. Troisièmement, souvent, on va le récupérer dans notre fermenteur à la fin qui va donner plus de dépôts. Hum, moins de dépôts possible. Et troisièmement, ça prend plus d'énergie pour chauffer cette fameuse mousse-là. Alors, tout le long du processus, avant qu'on soit rendu à mettre nos houblons, on peut l'écumer deux, trois, quatre fois. Une fois qu'on a une ébullition, une ébullition, c'est 100, 102 degrés. Là. On n'a pas besoin d'avoir de gros, gros bouillons. On veut avoir un bouillon constant. Fait une fois qu'on a notre, notre bouillon constant, notre ébullition, on va rajouter notre premier houblon, euh, peu importe lequel qui est marqué dans votre sac. Hum? On va le mettre hein, à 60 minutes. Hein. Et le 60 minutes, on démarre le compteur et on décompte. Ça veut dire quand on va dire 15 minutes, c'est 15 minutes avant la fin. Quand on va dire 10 minutes, c'est 10 minutes avant la fin, etc., etc., etc. Le fait de faire l'ébullition va stériliser votre mou et va enlever les indésirables dans votre bière. On va aussi faire l'ébullition qui va être. Euh, on va aussi faire les amertumes qui vont donner. Euh, la à la bière fait que le 60 minutes le côté de la langue euh, 10, 10 15 10 5 minutes les goûts et les odeurs Zéro, les goûts et les odeurs absten goût et odeur et c'est quoi un obstin ou un whirlpool comme qu'on pourrait dire c'est tout simplement de refroidir notre mou à 80 degrés Celsius et de mettre nos houblons pendant une vingtaine de minutes qui va aider à extraire toutes les huiles des houblons on est rendu en euh, même temps à l'étape numéro 6 notre étape numéro 6, c'est refroidir notre mou. Comment on fait ça? On a plusieurs méthodes de refroidir notre mou. On peut utiliser un refroidisseur à immersion, on peut refroidir avec un refroidisseur à plaque, on peut utiliser un counterflow. Tout dépendant de la façon dont vous voulez le faire, la seule chose que vous voulez comprendre, c'est d'y aller le plus rapidement possible. Faites, faites un bain d'eau glacée puis brasser une fois de temps en temps. C'est pas la méthode la plus facile et la plus rapide. Alors, si tu fais 4 litres à la maison, bah, ben, OK, ça va être pas si pire, mais si tu as 23 litres, ça va prendre beaucoup trop de temps. On veut amener ça le plus froid possible, le plus rapidement possible. Alors, refroidisseur à immersion, refroidisseur à plaque, refroidisseur à contre-courant. Je le sais que ça gaspille de l'eau, mais pour regarder cette eau-là pour nettoyer le reste de votre système. Un coup, vous avez fini. Alors, à quelle température qu'on doit arrêter de refroidir à la température qu'on va mettre notre levure. Alors, si vous utilisez une L, ça va être aux alentours de 20 degrés. Si vous utilisez une Lager, aux alentours de 10 à 12 degrés. Là, chaque levure a ses specs et ses spécifications précises. Alors, je vous conseille fortement d'aller lire sur la levure que vous allez utiliser. Si vous utilisez une levure US05, allez sur le site de US05 et regardez la température de fermentation proposée ou allez sur le site du brasseur. On le dit! Euh, surtout là, si vous allez utiliser la même levure que dans votre recette, la recette va aussi vous l'indiquer. On est rendu à la septième! La septième, c'est le transfert et justement euh, l'inoculation des levures. Alors, le transfert, une fois refroidi, on va transférer notre mou qui est rendu à une température ambiante dans notre fermenteur qu'on a préalablement lavé et stérilisé à l'étape numéro un. <laughs> L'étape ben, numéro 2. On va transférer et c'est la seule et unique étape qu'on veut de l'oxygène parce que notre levure a besoin d'oxygène pour bien fonctionner. Comment faire? Moi, j'utilise des passoires que je mets une par-dessus l'autre et je transforme mon mou dedans. Euh, de cette façon-ci, ça aide à ramasser toutes les particules comme le houblon, les Irish moss, euh, les écorces oranges et de coriandre qu'on peut y avoir ajouté. Passer à travers de fil, fait que ça va aider à rentrer l'oxygène dans notre mou de bière. Alors, c'est pas l'idéal, mais ça va vraiment aider. Et par la suite, on va mettre notre, dans notre, dans notre, mettre notre levure dans notre mou de bière pour commencer à la fermentation. Ce qui nous amène à l'étape numéro 8. Étape numéro 8, ça va être la fermentation. Alors, pour la fermentation, moi, j'utilise des seaux de plastique, les touris de vitre. Hein? fait qu'on arrête ça là des tours de vite euh, présentement là ça vaut quand même assez cher c'est fragile ça casse facilement euh, c'est dangereux c'est euh... Je vous le conseille fermement, mais vraiment pas. Utilisez les seaux de plastique qu'on vend au laboratoire, au brasseur. Le laboratoire du brasseur, il veut se faire plugger. Alors, s'il si veut se faire plugger, on va le plugger tout de suite. Savez-vous que nous avons le laboratoire du brasseur C'est notre micro brasserie qu'on brasse au brasseur. Et la micro est juste de l'autre côté de la bâtisse. Fait une porte noire qui va changer de couleur dans pas long. <laughs> Restez à l'affût pour plus de détails. Nous allons faire un gros vidéo là-dessus. Alors, euh, toutes les. On a 12 tapes. 12 sortes de bières de disponibles. Alors si tu veux euh, venir les goûter, c'est es, es le bienvenu. Hein? C'est ouvert de 13h à 23h du le mardi au vendredi et le samedi de 13h à 19h. Et on peut aussi réserver la place. Toutes les bières qui sont brassées sur place. On a la possibilité de vous faire les recettes pour vous les brasser à la maison. Et on a aussi des cannes si tu veux pas euh, boire dans le bar. Ou tu n'as pas le temps parce que ton bébé t'attend dans l'auto avec ta femme. Ben viens chercher des cannes puis tu vas pouvoir les déguster à la maison. Alors, la plug est faite. On va peut-être arrêter de parler du laboratoire du brasson. Fermentation, comme qu'on disait, utilisez euh, la, la température de votre levure. Fermentez pendant trois semaines. Euh, fait qu'on va laisser trois semaines de temps dans un endroit quand même assez noir. Euh, quand on veut dire noir, on veut dire pas avec les rayons UV du soleil. Alors, faire attention de ne pas, pas mettre votre fermenteur proche du UV du soleil, sinon, vous allez vous ramasser avec une. Heineken! Ouais, c'est ça, l'Heineken, c'est le UV qui fait en sorte que le houblon va donner le goût de skong du, euh, du goût particulier qu'on a dans notre Heineken. Si tu veux faire un Heineken, on fera une autre vidéo là-dessus. Si ça vous intéresse, dites moi là en commentaire. Et, neuvième étape! va être le conditionnement de votre bière. On a deux vidéos et un troisième qui s'en vient dans pas long pour faire un beau récapitulatif de toutes les méthodes de brassage et de, 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 de mettre en bouteille. Alors, ça va être de transférer votre bière dans une cuve euh, d'embouteillage, de... d'ajouter de 7 grammes par litre. Ça fait que si vous avez 20 litres de bière, vous faites 7 fois 20 égale 140 litres. Je vous conseille fortement d'ajouter de la levure d'embouteillage si vous avez la possibilité de... Y'en ai pas, cest obligatoire? Non, c'est pas obligatoire si tu n'en as pas. Je vous le conseille tout simplement, c'est tout, c'est un conseil. On va mettre la bière en bouteille et on va brasser à toutes les deux à trois bouteilles. Pour Faites, fites, pourquoi? Fitz, Fitz, pourquoi qu'on va brasser? Pour empêcher justement que ton sucre se décante au fond et que tes premières bouteilles t'explosent en face, tes milieux soient parfaits et tes finales soient flates. Euh, Est-ce qu'on doit euh, stériliser notre sucre avec de l'eau chaude avant? Si tu veux, tu peux le fait de mettre de l'eau chaude et de faire un sirop va juste permettre d'empêcher de, d'avoir des bactéries dans votre sucre et de mieux peut-être diluer dans votre dans votre mou de bière ou votre bière maintenant ce qui est rendu une bière. Fait que oui, aucune aucune aucun inconvénient à le faire. Tu es trop paresseux pour le faire. Fais l'époque, qu'est-ce que je te dise. Et par la suite, on va capsuler. Il euh, y a plusieurs systèmes de capsules qui existent. Moi, personnellement, je préfère celui sur pied pour 30 environ de plus. C'est un choix personnel, mais si euh, tu veux juste économiser, tu peux utiliser le deux leviers Si tu veux pas embouteiller souvent, tu peux utiliser le deux-leviers. Il y a environ 25$ si je m'abuse. Et de toute façon, les prix n'arrêtent pas de changer, hein? Bienvenue en 2023. Et maintenant, nous sommes rendus à notre dixième étape! Mais juste avant la dixième étape, je tiens encore une fois à remercier tous les Patreons et les supporters qui supportent cette chaîne. Si tu veux aussi nous supporter, vous pouvez euh, soit vous abonner, vous adhérer à notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi aller sur Patreon, sur le brasseur, la description est dans le lien. Et euh, le lien est dans la description plutôt. Et euh, ça nous fait tout le temps plaisir de voir les petits 2 les petits 3 apparaître dans notre compte. Ça nous permet de plus le fait qu'on est apprécié en faisant nos vidéos aussi sur YouTube. J'ai remarqué aussi que. Vraiment beaucoup de monde, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde ne sont juste pas abonnés à notre chaîne, plus que la moitié qui nous écoute ne sont pas abonnés. Alors, si tu peux t'abonner, juste t'abonner, faire le pouce, liker, faire un commentaire, ça l'aide beaucoup pour l'algorithme. Alors, ça m'aide à monter un petit peu dans les chiffres. Et plus que tu écoutes mes vidéos, plus que tu partages des vidéos, plus que tu sais connaître ma boutique, plus que je fais de l'argent, plus que j'ai le goût de faire des vidéos, plus que je peux engager du monde, plus que j'ai du temps à faire des vidéos. Alors, tout ça, c'est pour vous que je fais ça, pour vous aider à mieux comprendre le fonctionnement de la bière. Et il y a plein d'autres chauffeurs qui arrivent. Hein? Allez voir, on a un TikTok qui s'en vient. Alors, dixième étape, hein? une fois là, notre pub est faite. Dixième étape, laisser refermenter les bouteilles pendant deux semaines. Et oui, on fait une refermentation. La levure va manger le sucre. Fait que le sucre, la nourriture qu'on lui a donnée, ça va manger... Et ça va refermenter en bouteille. Le fait qu'on ait mis un cap étanche dessus va tout simplement emprisonner le CO2 et c'est qu ce qui va faire que votre bière va être pétillante. Fitz, est-ce que ça rajoute de l'alcool? Oui, ça rajoute aussi de l'alcool parce que le dextrose rajoute de l'alcool. Est-ce qu'on est obligé d'utiliser du dextrose? Non, on n'est pas obligé d'utiliser du d'extrose. Nous sommes en train, en train de faire un nouveau site web et on va mettre tous les calculateurs sur notre site web pour vous aider à bien calculer le nombre de sucres par rapport au CO2 et les différents sucres de disponibles pour mettre en bouteille. Pour l'instant, vous pouvez vous fier à Beersmith ou m'appeler si vous avez une question. On attend deux semaines minimum. Est-ce qu'on peut attendre plus longtemps? Oui, il y a certaines bières qui vont maturer pendant un mois ou deux mois, qui vont être beaucoup meilleures. Ça se dit pas beaucoup meilleur, mais moi je le dis. Fait que, ouais, on peut attendre plus longtemps. Ça m'a déjà arrivé dans le passé d'être obligé d'attendre pendant quasiment un mois, un mois et demi, puis la bière était comme mmm, super bonne. J'ai d'autres bières aussi qui sont super bonnes après juste une semaine ou deux semaines en bouteille. Alors, euh, tu peux l'ouvrir quand tu veux, la bouteille, puis goûter, puis si tu vas voir si tu aimes ça ou non. On va mettre la bière au froid et on va l'ouvrir, la mettre dans un verre. Pourquoi mettre dans un verre si tu ne veux pas ton dépôt? Mais je vous conseille quand même, une fois de temps en temps, de brasser votre dépôt et de la mettre dans un, un verre et d'y goûter, prendre les deux côtés de la médaille et vous allez voir que votre bière va avoir un profil de goût vraiment différent. Moi, quand j'ai commencé à boire de la bière de micro, il y avait tout le temps un dépôt dedans. Et si on n'avait pas de dépôt, c'était pas une vraie bière de microbrasserie. Alors, euh, je vous laisse deviner maintenant euh, les prochaines étapes. C'est de recommencer à numéro uno pour s'amuser et de pas manquer de bière et, 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 et de s'amuser. Euh, si jamais tu as la possibilité de venir m'encourager au brasseur, merci beaucoup. Si tu peux... Juste commander parce que tu habites pas proche de la boutique. Je le sais qu'il y a des frais reliés à ça. Mais il y a des frais aussi reliés à toutes les vidéos que je fais sur YouTube. Juste les studios d'enregistrement me coûtent une fortune. C'est 500 par mois. Et ça fait quelques mois que je ne l'utilise pas. Alors, euh, ça me fait plaisir. C'est ma pub à moi. Alors, si tu peux m'encourager, c'est vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Et on a beaucoup, 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 beaucoup de variétés différentes. Probablement beaucoup, 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 beaucoup de variétés de houblon, de lover et de grains que tu peut-être jamais vu dans les boutiques euh, autres que la mienne. Parce que moi, j'adore brasser avec plein d'ingrédients et euh, j'adore expérimenter. Fait que. Ben, tant qu'elle les acheter pour moi, mais ben, je vais en faire partager, euh, partager l'expérience avec euh, mes chers clients que j'adore et que j'aime vraiment beaucoup. Euh, dernièrement, on était très, très, très occupés. On travaille sur tous nos sites web, puis on manque de personnel. Ça, ça se peut que tu sois un petit peu fatigué, mais ça fait tout le temps plaisir de vous voir et de faire vos recettes et de vous parler. Euh, je vais vous donner le meilleur service et j'espère que vous appréciez le service que je vous donne. Alors, c'est tout pour la petite vidéo. J'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, fais moi le savoir. Partage un grand nombre. N'oublie pas de t'abonner. La petite cloche. Pour rien manquer de qu est ce que je fais à l'avenir. Et on se voit dans la prochaine vidéo, les amis. N Oublie pas de t'abonner à mon TikTok parce qu'on va faire plein de vidéos super rapides. Puis euh, on va peut-être les faire en shirt si ça vous intéresse. Dites-moi en commentaire.